Le mardi 12 janvier, un séisme de magnitude 7,3 a frappé Port-au-Prince, Haïti, laissant la ville en ruine. Les 350 disciples éparpillés dans la ville ont été subitement laissés sans abri, électricité, nourriture, eau et médicaments. Un groupe de 120 disciples et leurs parents sont logés dans des tentes à côté du bâtiment de l'église effondrée. D'autres disciples arrivent petit à petit. Plusieurs ont été tués. Malheureusement, 50 autres sont toujours portés disparus. En dehors d'Haïti, de nombreux disciples suivaient les événements avec horreur et s'inquiétaient de leurs parents et amis. Dr. Mark Ottenweller et Stanley Dumornay sont arrivés le dimanche suivant dans la capitale. Malgré les pillages et le crime, ils ont distribué des vivres, de l'eau et des médicaments juste avant que les fournitures des disciples ne s'épuisent. Mark a mis en place une clinique pour les blessés. Beaucoup de disciples pleuraient ouvertement à la venue de l'aide. Ce que Mark a vu était choquant. Nous sommes arrivés à la frontière aujourd'hui. Il y avait beaucoup de chaos, de confusion et de circulation. La poussière, des corps et l'odeur de la mort étaient partout. Nous sommes arrivés à la propriété de l'église où il y a 110 personnes qui dorment sous une tente. Le bâtiment de l'église est détruit. Nous avons apporté de la nourriture. Les gens pleuraient. Ils étaient si heureux de nous voir. Beaucoup ont été sous le choc. Un grand nombre de blessés. Aussi, beaucoup de personnes sont portées disparues. Plus de la moitié de l'église a perdu des parents proches. La moitié ont perdu leur maison complètement. Certains des enfants ont perdu leurs parents, d'autres toute leur famille. Un enfant de 10 ans était dans une maison qui s'est effondrée sur lui. Il était le seul qui a survécu. Bientôt, il y aura la maladie car les conditions ne sont pas sanitaires. Il n'y a pas d'eau. Ils ont été ravis de nous voir. Cela leur a donné de l'espoir et de l'encouragement. Certains ne pouvaient pas parler car ils avaient peur de s'effondrer. Ils essayaient seulement de survivre en ce moment. Ils sont très contents pour tout l'appui qu'ils ont reçu et ils ne pouvaient croire la quantité de nourriture, d'eau et de médicaments qui sont arrivés aujourd'hui. Il semble qu'ils ont maintenant suffisamment de nourriture pour environ une semaine. Nous avons besoin d'envoyer plus de personnes et de fournitures jusqu'à ce que les choses se stabilisent. On peut pas acheter de la nourriture facilement. Nous avons demandé à Randy Jordan, à Hope Worldwide, quels sont les besoins primaires. La nourriture et l'eau. Nous avons des gens sur le terrain qui sont à court de nourriture et nous avons besoin de les nourrir et de s'assurer qu'ils sont pris en charge. Deuxièmement, nous avons besoin de les rattacher à des soins médicaux et nous travaillons dur pour faire cela. Troisièmement, nous devons leur trouver un endroit pour vivre. Ils vivent par terre. La vague de compassion est étonnante. Mais la réponse demeure la même pour l'instant. Maintenant, nous avons besoin de dons d'argent pour contribuer à cet effort de secours. Nous avons besoin d'équipements et de fournitures et nous devons les amener à Haïti aussi vite que nous le pouvons. How do you feel about the help from the United States? Comment sentez-vous de l'aide que vous recevez des États-Unis? Je pense que son gros bagage qui fait, ça rappelle une veuve là, qui te gagne non seulement un petit farine avec un petit huile. Et puis, il te dit, bon, ces derniers petits mois, ça m'a fini de manger, et puis pour mourir. Mais dans tout ça, nous avons gagné en tout. Nous pas dit que c'est seulement disciples qui apprennent. Tous les voisins nous sont venus. Bien que ça nous gagne en pitié, nous avons décidé de partager la veille. We said we'll share it with them. Fait mon Dieu confiance. That we would trust God and we would share it with them. Quel est le frère Audi, ça nous gagne tellement pitié. Sometimes the brother said that we have it so small. Jésus a dit, il vaut mieux donner que recevoir. Et frères et sœurs, il est temps de donner. Nous entendons des contributions venant de tous les continents. Que ce soit un temps où le monde regarde et dit, vraiment ces gens sont des disciples de Jésus. Regardez combien ils s'aiment. Que Dieu vous bénisse et prions pour les disciples en Haïti.